aux environs du pic Tupungato. Monsieur Romino! Oui, c'était là, près du pic Tupungato. Pour commencer, tout semblait comme à l'ordinaire. Puis je me suis senti tout à coup gêné, comme un homme qui se croyant tout seul s'aperçoit que quelqu'un est là qui le regarde. Alors d'un coup, et sans savoir pourquoi, je me suis senti comme environné de colère. Vous paraissez plutôt intime. Avec quelle vanne sur moi. Je ne vous le reproche pas. Seulement, vous êtes inspecteur. Je ne vois pas. Il vaudrait mieux respecter les distances. Ces pics innocents et ces sommets tout couverts d'une neige à peine plus grise qui commençait à vivre, à s'animer. Comme un peuple, il ne faut pas oublier l'importance de votre situation. Serre les mains sur les commandes. Mes muscles étaient tendus comme ceux d'une bête qui va sauter. Peut-être que demain, il vous faudra dédésigner ce même pilote pour un départ dangereux. Eh bien, il partira. Par amitié ou bien par devoir. Enfin, brusquement, tout se déchaîna. Liés au sommet de rochers, se mirent à tourner, à dériver autour de moi. Je regardais, toute la cordillère avait l'air de fermenter. D'un des pics s'envola la neige, puis d'un second, les chaque pic paraissait de la fontaine comme une torche. Faire un exemple, il faut le punir. L'inspecteur Romino inflige au pilote pèlerin telle sanction pour le motif suivant. Vous trouverez bien un motif quelconque. Faites comme si vous compreniez Romino. On peut aimer beaucoup ce qu'on a sous ses ordres. Pèlerin, il me semble que je me suis battu très longtemps, désespérément, au milieu d'un flamme grise. Ah, Mendoza, aussi la tempête. Non, quand j'ai atterri, le ciel était très pur, mais pour peu de temps, car l'ouragan me suivait. C'est un cyclone du Pacifique. Par bonheur, de pareils cyclones ne peuvent pas dépasser les ombres. Chérie, on est quand même mieux.
la fibra pour le sud-est avec la tempête. Mais l'avenir, l'avenir, on verra. Et ces mêmes sentiments, ils doivent les partager. La pilote qui vient à l'Ascension, et aussi Fabien à son retour de la Patagonie. Rivière grande, malgré tout, on ne le dit que le trop. Vous vous énervez pour rien. Ce message pour Rivière. Sont-ils en règle? Mais je pensais qu'on aurait attendu l'arrivée des courriers d'Assomption et de Patagonie. Faux! Vous n'avez pas à penser, seulement à exécuter Monsieur Robineau. Cette nuit, à 3 heures, le courrier d'Europe partira.
madame. Mon mari a-t-il atterri? Non. C'est un retour. Oui, à quelle heure? Et à quelle heure l'attend-on? À quelle heure? On ne sait pas. Je vous en prie, dites-moi, où se trouve-t-il? Il est attendu. Il est parti de Comodoro à 19h40. Et ensuite? Ensuite, un peu retardé à cause du temps qui est mauvais. Ah, le temps qui est mauvais. Je ne puis rien dire, on attend des nouvelles, on préviendra aussitôt. Je demande, attends des messages. Mais madame, on ne peut entendre aucun message, avec un temps. Préviendra aussitôt. Oh, oh, je veux parler au directeur. Monsieur le directeur ne peut vous recevoir. Il est très triste. Tel est notre métier. Viendra-t-il?